sen liguey momit mu def ligueyam. Heureusement vous avez une dame qui est là. Je crois que war ngeena def tout inshallah parce que les femmes aujourd'hui xamna ni représenter ci deuk bi. On vous a amené une femme, c'est madame Ba. Il faut travailler en parfaite collaboration avec elle ba pare jox ko ceureum. Lolu maire bi mu ngi len koy ñaan. Li ci def inshallah c'est féliciter encore une fois le maire El Momadou Diaye. Parce que très honnêtement, il a voulu cette assemblée générale là bu sañon nak ñepp fi tew même le comité sortant bu len hésiter ben yon aussi pour collaborer avec le comité sortant ou aller encore envers ñi nga xamé né vraiment ñom mën na len encore amener quelque chose. Vraiment ces travaux là ont la bénédiction en tout cas du maire et de l'ensemble du conseil municipal. Li ci dess moy vous souhaitez que Dieu vous accompagne et que le bureau soit, qui sera élu puisse faire un résultat. Et ensuite que ce bureau-là puisse savoir que ne vous le fallait qui mandat bi danga am droit de reddition des comptes. Donc ça au période du joté rendre le compte. Je vous remercie. Merci doyen. Vraiment rétiwun won encore ce ñew, rétiwun won encore sunu collaboration ak yow. Tay sa téway fi encore gër na ko findel té ni nga ko yag def inshallah té yalla nga ko gëni defat encore non. Donc c'est dit tout simplement que ta collaboration waxuma sax ak la commune mais ta collaboration avec le maire mu nek une collaboration sincère manki wax demb une collaboration bo xatani lu fructueux la té itam vraiment mu ngi porter ses fruits li tay vraiment deugul na lool ci say wax nak ma japp ci ñaari wax yépp am solo ben moy il faut que vous la jeunesse là que vous fassiez ce combat là un combat bo xamanteni combat pour lucide les nek combat de paix entre guillemets diguel ma ci métaphore mais encore de respect et de dépassement tolotou ñu xex nak wax deug yalla on a tourné la page ñu ci lenen benen nak muy orientation par rapport ak ñi nga xamne ñoo wara ñew lan mo wara nek sen rapport ak la gestionnaire madame Ba ndax combat la wara nek ndax xëccio la rek ndax conflit la wara nek donc lool aussi il faut que tamit ñu définir ko que vous sachiez que nakou nek xam li nga xamne mo ngi wara def que ñu jox ko respecté yaakar nañ ko ci yeen la vraiment man doyen mbay pour vous rassurer man yaakar na né sa orientation yoy non cette nouvelle équipe bi nga xamne mo wara ñew dina ko def koku yaakar na relation buñ am ak yeen benen parti bi am nañu ñom relation yu upp yoyu mais yalla deug la bëgg té man limay wax dama kay wax jeen yépp parce que foyer bi yalla dafa def dafa am ben jurisprudence bu fi am moy que ne bo beugé ben affaire bo beugé foyer maire moy don sa buntu di nga nangul maire di nga deglu légui bo démé ba yor nak après sa adversaire principal maire bi lay nek bu waxé nga jël ka tek ka feulé wala bu né ni lay démé nga ni lay démé dafa am ben discours bu mo don dégg ci ben ancien président damay bañ mu dal len foyer bi musla nek institution té du nek institution ba adina di tuddu je m'explique mono nek institution dépendant mono nek institution tok ne da ngay xaar subvention mono nek institution sa femme de charge dan la ngay fayal mono nek institution sa courant dan la ngay fayal mono nek institution sa nox dan la ngay fayal nga ni institution la ku len gem lo ne foyer bi institution la dalen ni nax foyer bi ci titelu mairie bi la nek dama len jox exemple foyer bu ginaaw ray directeur la nam tiare rek mo am comité de gestion parce que mairie fi jaar dañuy bëgg di associer jeune yi ci gestion foyer bi motax ñuy def ay comité de gestion may jeune yi ñu mëna participer mais bo démé ailleurs jeune yi amuñu li ñuy décider ci foyer maire yi dañuy jël tek un directeur bi moy doxal kon ñun yalla buñu mayé ñu am sens maire yo xamné dañuy impliquer ci gestion foyer bi non dañu wara ci dem nak ak à bras le corps moy jema gorgoru jema collaborer ak maire defna gañ liñuy gagner fofu la am parce que mairie bi bo xexek mom le pernant yow lay nek parce que meunu le décider par arrêté amna mairie fi dial yo xamné peut-être don nan tolérer lo xamné cette fois-ci man do meuné dina dem parce que ñi fi nek ni tamit seeni morom lan suñu morom lan amna lo xamné mag ñi ñokay sedd mais ñun suñu morom danaka boy set gatsa lay nek quoi pour ñi nga xamné ñoy ñew ñu jema xamné jeunesse bi yeb ñoo leen yoni mais kun yoni tamit non da ngay dem ak responsabilité ak philosophie mais mat liñ la doon mat li nga doon parce que président foyer ci normalement
non dañu war ki kay doon dañu war dafa wara présenter CVM ñu xol moralité mak yépp ba xam mom apte na sa pour nek président foyer parce que ne ya yi des jeunes tiara yépp néwul pour man lu yomb quoi pour baña guddal lo la ci amone lumay wax quoi do remercier ñu doga fal maintenant le bureau digënté président vice président ainsi de suite lolu moy li nga xamné mo wara nek lu ñepp muñtu duggu nak té ñi ko téwé ëpp lolu 8 fois il faut négociation am lolu mo waral pour l'installation il faut ñu jël suffisamment de garanties et il faut ñu jël également lo am importance moy le respect des textes yi ñu adopté légui les textes à travers les statuts et le règlement intérieur viennent de nous dire que nous devons installer un comité de gestion de 21 membres. Mais si nous installons un comité de gestion de 21 membres, voilà la liste du bureau que vous devez faire. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous savons que nous avons constitué l'Assemblée générale, nous désignons parmi eux des délégués qui ont constitué les 21. Sauf que on va prendre un paramètre assez important, moi la notion de tiers sortant. J'ai vu le nouvel EEP, on a tenu compte de ce tiers sortant. Et là, j'ai dirigé par le maire Alpha Mohamedou Gueye, ne va pas déroger à cette règle. Moi, tiers sortant, buñ koy jël, si exercice sortant, buñ koy jëlé, lolu mën ta ñak. Lolu c'est une observation de passage. Moi, 21 lagn le tiers de 21 de cette année 7 là si on n'arrive pas les 15 de 5 ouais nous avons installé un comité de gestion de 21 membres donc même si fait 15 sont pas bon donc les deux tiers de 21 14 war nañ jël 14 yi doga dem négocier les 7 tiers sortants parce que ci comité sortant bi lañ ko wara jëlé mais monsieur le maire Alpha dañ la bëgg rappeler lén rek ci comité ad hoc parce que dañ ni Elimane aussi may rafetlu li nga xamné intervention ni tiers sortants ñun buñu sañon ñu jëlé ko fi parce que genre opposition là et bu ñu sañon dañuy talal suñu loxo jeune su tiaro yépp ñu liggéey parce que foyer bi warna mëna wéssu fi ñun ñëpp amul ki kassé le dëkk amul ci déssal le dëkk amul fenn ñun ñëpp ben lañ sama souci la dès le début ni nañu na nek un groupe homogène buñ fi xol ki fi la bok ak fi la bok raison pour laquelle ñu proposé won ni la bu mënta ñak na doon 4 c'est la raison pour laquelle ñu def proposition de bureau de 17 biñu défé consensus bureau de 17 lañu ki donc bo leen indé 16 rek dina am kanen kuñu wara dindi té ay nit biñu waxtané aussi nga ñëw kanen nika bayil mëna ko jé problème wa donc ñu ngi ci djéggal bu wër monsieur le maire Alpha japp na loolu lañu adopté won ci comité ad hoc bi banen bi aussi ñun dañoo téggone lo xamanteni musul am tiaroy muy un collectif parce que rappelez-vous dernière assemblée générale bi mu ngi nekk le 16 septembre 2018 lañu falone Hassan 6 et son équipe mu warona dem assemblée générale 2020 mu bañ ni du dem assemblée générale mu jaral ko lu nek nak ñun nak ñu xamni foyer bi kenn momuko ñun jeune su tiaro yeen ñi fi nek yeen yeena mo foyer bi ñu taw xex lu ci war ñu def ko ci ba municipalité bi jël responsabilité ñuy remercier le maire ak équipe municipale bi yépp ma bëgg ngeen tatu le maire ñu jël seen responsabilité ñun dem assemblée générale ñun nak depuis fort longtemps ñu ngi waxtan parce que amul man ma xex affaire bi rek ma wara jité non ñoko xex mais bañ ko xex pour tiaroy gep motax ñuy sioné usine ba cité sar ni ku bëgg jël poste ñewul ñu wax mais nak gaay 17 poste ñun ñepp mënu ñu nek ci bureau man dé à ma personne paré na ni man Boubacar soxlo mu poste parce que bu xëjjo ji amé ñun nañ bayyi ñeneen ñu dugg motax ma leen di ñaan collectif bi décidé na proposer un bureau consensuel ni buñu sañon de ñun ñëpp ñu adopter à l'unanimité bureau bi usine nek ci ba cité sar association se représente mais concernant ce bureau da fay am luñu woyé des commissions da fay am président am des membres de commission je vous donne un exemple comité d'organisation
il y aura un président d'organisation, mais qui beaucoup bon bon comité d'organisation da ngay bindu ñu bolé ci comité bob légui koku jité. Donc nous ñi ñep mën nañu bok ci foyer bi, mais mënu ñu jité poste parce que ñi mënu ñu jité, mais ñeneen ñi mënu ñu dem bok ci ay commission. Donc loolu la bëggoon rek buñu ko mayé ñu démé ak nonu. Donc di leen sante bu baax, di leen gëreum, affaire bi yag na té kenn ku ne bayina sey yité ñew tok. Ma ngi djéggol ci cadre gi, wassalam. Mënu leen def proposition au-delà de ça. Même si on fait une place au tiers sortant, c'est 5, dañu wara bay réserver les 5. Pour deux raisons, le bureau étant de 16 et le tiers sortant étant de 5, mënu ñu baña réserver les 5 places du tiers sortant, muy ben. Deuxièmement, mënu ñu dépasser le bureau bo xamné les statuts et le règlement intérieur viennent d'être adoptés. Ne serait-ce que sous l'angle de ces deux perceptions, mënuñu dépasser, on ne peut pas être à 17. Donc nous, en tant que facilitateur de l'AG, lu ñuy retenir moy on va élire un bureau, si vous êtes d'accord, membre de l'Assemblée générale, d'élire ce bureau de 16 membres, nous sommes d'accord avec vous. Parce que quoi qu'on puisse dire, on ne peut pas violer des textes que nous venons d'adopter. Dégante nañ. Kon arrangez-vous, membres d'AG, à nous proposer un bureau consensuel, comme vous dites, mais qui ne dépasse pas le bureau déjà adopté, nous 16 membres, à savoir un président, un vice-président, un secrétaire général, un trésorier général, une présidente de commission féminine, un président de commission chargée des relations extérieures, un président de commission culturelle, un président de commission féminine, un président de commission socio-pédagogique, commission chargée des affaires économiques et financières, commission sportive, commission d'organisation, commission formation professionnelle, emploi, etc. Abdourahmane Faye, contre son élection, abstention. Donc, Abdourahmane Faye passe au poste de secrétaire général. Secrétaire général adjoint, je vois Muntaha, mais je dis que ce poste est sursis parce que ce poste n'est pas prévu. Peut-être que c'est en création, n'est-ce pas? Donc, le secrétaire général adjoint qui est présenté. D'accord? Monsieur Loufal Basile, nous l'avons eu, monsieur le SM. Bon, moi, je veux dire que nous avons eu un membre collectif. Amna ben travail extraordinaire bo xamné bon ñu ci dynamique bobu lañ nek bëgg nañ nak yeen ñep ñu leen li wo ngeen ñew ñu liggéey lo ensemble une gestion participative et collégiale lañ bëgg nañ ciaré agir ba usine ñep ñew ñu intégrer bureau bi ñu liggéey lo ensemble parce que ñun ñep ay jeune lañ té ñoo bokk ambition may remercier monsieur le maire Alpha gis nañ cioné yi nga xamné dañ nako. Depuis que nous installons le comité adopté à l'église, bon, je remercie les jeunes depuis 9h à l'église. Bon, nous ici, salle, nous assister. Nous les remercions. Merci beaucoup.